Hey, salut à tous, c'est Alex, c'est lundi et c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Hey, c'est parti direction la salle, je vais vous filmer mon training. Je rejoins Lolo, le S, aka Lolo la coiffante. Ça va être sale. Sans spec épaule, t'es chaud? Chaud. Allez, c'est parti. Peu savent qui je suis, beaucoup me connaissent pour assumer ce que j'ai promis, pour se reconnaissent. Je les monte en l'air, eux et leurs promesses. Je prends les airs, je leur laisse les compresses. J'ai 10 000 likes, je balance un freestyle. Je déchire sur du zoo comme sur beat abyssal. Je fais ce que je dis que je fais du sale. Je gère le beat, je gère des succursales. Parfum de victoire en Tarina Allah. 13,03, j'envoie Himalaya. Pour le kiff et le bif et le bif profitera à la mif. On vise la cible, on fera la diff, on n'est jamais approximatif. Touche pas à la coke, touche pas à la famille, ou je t'arracherai la gueule comme Charva de mamie. Je miserai sur WAM si tu lances les paris. Tu loupes ton train, j'ai train de dire Qatari. En I, je mets le cross, en X, je mets le Raptor, Raptor. Dominant direct des Mirador. C'est l'heure d'aller manger, j'ai la dalle au riz, quoi. Voilà mon repas de midi, donc c'est une salade avec des carottes, des tomates, du piment, des nuggets, des graines de courge, des graines de sésame, de la salade méchouïa. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Un petit peu de gazpacho aussi, et là je mange low carb en fait, parce que ce soir je vais au restaurant et ce soir ça va être high carb. Et là je suis sur la route direction Lyon. C'est parti pour 2 jours, je vais rejoindre PJ, Jacopo et je vous amène avec moi. Et voilà, je suis avec PJ. Ouais, ouais. Toujours le ouais, ouais, ouais. Et c'est l'heure de passer à table, on a la dalle, c'est un truc de malade. Et je vais vous montrer ce que je vais manger. Bon, je vous avais prévenu, hein. C'était low carb à midi parce que ce soir, on se fait plaisir. Attention, ça va être sale, attention. PJ, il a pris la même chose que moi. Hein. Non, moi je mange pas les frites. Tartare façon asiatique. Ouais, j'avoue, les frites, c'était pour ça que j'ai fait attention à midi. Et une petite salade quand même. Hey, c'est mardi, nouvelle journée et c'est l'heure du petit déj. Un petit jus de fruits et de légumes fait par Jacopo, citron, pomme, carotte, orange, une banane, un peu de lait, toujours les mêmes, oméga 3, complexe articulaire et multivitamines, une dose de whey et un peu de pain au lait. Une petite banane et je viens de recevoir un petit colis, on va voir ce que c'est. Bah c'est des écouteurs sans fil, je vais tester. On se recoiffe, on se regarde dans la glace. T'as faim? Oui, maintenant oui. Voilà, moi j'ai la dalle aussi. Alors il y a des concombres, des sushis, sashimi, des raviolis vapeur aux crevettes, un peu de brocoli et des beignets de calamar. Et deuxième assiette, cette fois-ci j'ai pris du poulet, encore deux raviolis, des concombres et deux beignets de calamar. C'est la tradition, c'est obligatoire. Moi, autrement, je les aurais pas pris. Si c'était pas obligatoire, je les aurais pas pris. Mito. Eh oui, Alex Lignac, mon vieux. Et là, on est en train de faire la vidéo. Les premières fois en muscu, donc toutes les premières fois. T'aimes bien quand je te filme d'en haut comme ouais, ça? Ouais, on voit les petits poils. Voilà. T'as vu la technique du dos ou pas? La technique de je fais un entonnoir avec mon doigt. Ok, allez, c'est cadeau. C'est cadeau la petite astuce. Et c'est parti pour l'entraînement après le tournage. Donc là, c'est ma séance d'eau. Je vais faire du sale. J'ai mis aussi mes nouveaux écouteurs sans fil là que j'ai reçus tout à l'heure. Je vous ai montré. Et je vous avoue que j'ai l'impression d'avoir l'air d'un con avec ça quand même. Dites-moi en commentaire. Et attention, pas peine de mettre. Ouais, t'as pas besoin de ça. En plus, je les ai essayés dans l'autre sens parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui mettaient en arrière. Franchement, c'est pire. Non, on dirait un truc, tu sais, les yeux ils mettent là pour attacher leurs lunettes. Non, dites-moi. Tiro su una canna lunga mezzo metro. Passo nel quartiere sopra un mezzo nero. La tua tipa chic succhia il mio solero. La
te non ti pompa, frati fa un pampero. Grossi scarsi, grossi babbi fanno gossip, noi con due. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée. J'passe sur SKY, j'passe sur OKLM. Ça sent le gris montagne, pute, les grosses fiscalités. J'passe te tuer ce week-end, après j'baiserai ta mère. J'lui chanterai si tu savais comme Jean-Philippe Smet. Cristalline pleine de siroc, les jeunes prennent la coke et visent la tête. Et alors, c'était pas ça l'exo dans les programmes normalement, non? Non, c'est pas ça. Mais l'exercice que je devais prendre, j'étais pris. On s'adapte. Con due pacchi troppo grossi nel back dell'enjoy. Mi riguardano dall'alto foto polaroid. Sorrido sempre ciao, sì ma fatti i cazzi tuoi. Il tuo flow Ebola, il mio flow Legolas, cheese a crack. Et voilà, séance terminée, c'était ma séance dos bras. Je me suis massacré le dos, bon pas les bras comme la plupart du temps. Moi je fais presque jamais les bras ou vraiment que très rarement. Ceux de mon armée ils le savent. Je garde les bras dans mon programme pour vous, parce que vous voulez les faire et parce qu'il y en a qui en ont besoin. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Il me reste une heure de route encore, j'ai grave la dalle. Et au final, ces petits écouteurs-là, ils étaient quand même pratiques. Je me suis entraîné, je posais le téléphone à côté, je l'avais pas dans la poche, il m'a pas gêné. À table! Alors, en entrée, il y a des boulettes de poulet aïe fines herbes faites par cappuccino et une petite salade avec des carottes, des radis, des graines de courge, des graines d'oiseaux. De tournesol! Ah là, de tournesol. Voilà, c'est l'entrée. Oh, les boulettes de poulet, c'est de la frappe, faut que je vous les fasse en vidéo. Enfin, qu'elle vous les fasse. Et on continue avec une aubergine farcie. Au bœuf, petit légume avec un œuf au milieu et une petite boule de vodka pour le plaisir. Allô? Hey baby, allô? J'espère que je vous dérange. Et le petit déj, troisième jour, on est mercredi et je commence avec des pancakes aux flocons d'avoine et fromage blanc avec des fruits dessus, bananes, fraises et myrtilles. Bien sûr, je savais, c'est pas peine de me le dire. Hein. Ensuite, une fausse île flottante. En fait, c'est des blancs d'œufs. Et la crème anglaise, c'est du jaune d'œuf, tout simplement. Avec des baies de goji et il y a du fromage blanc aussi. Et pour terminer, un petit muffin myrtille healthy. Avec une petite bougie, puisque c'est mon anniversaire. Ah oui, sans oublier mon jus de citron et mes compléments alimentaires. D'ailleurs, j'ai plus d'ouais. Va falloir que j'aille en chercher. Après un bon petit déj. Je me mets sur l'ordi, c'est l'heure de bosser. Et là, je suis en train de faire mon nouveau programme qui doit être fini aujourd'hui pour l'envoyer au webmaster qui doit le mettre en ligne pour demain. Donc, comme d'hab, un peu en retard quoi. J'ai comme un beat, appelez-moi la vétro. Laissez-moi dans le cockpit, j'atterris comme un terreau. Tout le monde me dit Yann, fais ci, fais ça. Arrêtez tous votre cinéma. Tout le monde me dit Yann, fais ci, fais ça. Arrêtez tous votre cinéma. J'tape la seco, tellement déter que le futur veut des preuves en photo. Oh. J'vais pas faire cadeau, j'suis né le jour Noël, en gros c'est moi ton cadeau. Oh. Tu peux me ramener qui tu veux. Ma pote, je suis schizo, on sera toujours plus nombreux. Solide et sec comme un nerfeux. Mon faute à démonter, pas besoin de ton joint bleu. L'habitude des commentaires. Mais comment faire gros pour les faire taire. Y'a plus de feu rouge que des feux verts. J'accélère. Présent pour mon fiston. Faut que je ramène des pifetons. À ce qui paraît t'as le bras long. T'as la main sur tes. Putain, je viens de me prendre une heure de bouchon. Je viens de rentrer chez moi, j'ai trop la dalle. Alors pour commencer, c'est poulet à la moutarde, paprika avec konjac et tagliatelle de courgette. Et il va y avoir plusieurs trucs à manger parce que Capucine a fait des tests culinaires pour des vidéos. Et on continue avec poulet mariné à l'indienne, poivrons, petits oignons et quinoa. Eh ben, je trouvais plus blaze. Et là, je rentre de fitness boutique, j'ai la voiture blindée de carton parce que dimanche soir, enfin dimanche même dans la journée, on part dans le sud avec PJ, Jacopo et beaucoup beaucoup de monde. Je peux pas vous dire qui, je peux pas vous dire pourquoi, j'en avais parlé dans mon précédent vlog, mais malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Je peux juste vous dire que toute la semaine de tournage qu'on va faire, elle va être filmée, donc vous pouvez en profiter et on est en train de préparer un truc de dingue. Bon allez, à toutes. Petite collation préparée par Capucine. Toujours au taf. Bon bah normalement je devais aller manger au restaurant pour mon anniversaire. On m'a dit ouais on va manger au restaurant ce soir. Cap elle m'a dit ça.
Et voilà, qui c'est que je trouve dans la cuisine? Regardez la vidéo là, comment on fait la surprise. Comme je vous le présente, c'est un de mes potes. Pascal Zer. Pascal Rico. Pascal Zouz. Yanis. Yanis officiel de partout. Yannick. YouTube de partout. Enchanté. Péricope. Péricope. Et si t'as pas Péricope, Era. Era. Nico et qui est Bules dingue. Alors. Attends. Sympathique. Gregos. Lolo le S. Anciennement Lolo la coiffante. Et bien sûr un autre mec qu'ils ont ramené que je ne connais pas. Je n'en parle pas. Alors petit déj de ce matin, c'est deux œufs avec un peu de graines de sésame, jus de citron, pommes. Et bien sûr, on est obligé de se sacrifier, il reste du gâteau d'anniversaire d'hier. Ouais, ouais, je vais devoir taper dedans. Hein. Et on vient d'arriver à la salle. C'est le moment du tournage? Oui, c'est le tournage. Avec Yako Rico qui est là, à la caméra. Donc c'est parti, hein. Une séance Pekeball. Pekeball, avec deux abonnés. Deux abonnés, le père et le fils. Séance terminée, c'était avec le père et le fils, Lionel et Joe. Ah, franchement, ils ont fait du sale, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Très bien, c'est très beau de voir le père et le fils qui sont fait ensemble. Ouais, franchement, c'était de la bombe. Et puis, nous, moi aussi, hein, je me suis entraîné salement, on va dire. Et là, on va manger tous ensemble. On part en ville. Normalement, on devait aller manger chez Gregos à la bonne heure. À la bonne heure. On avait fait le cheat day là. Et puis, bah, il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il n'était pas ouvert à midi. Donc, je vais aller leur faire goûter une petite spécialité là. Vous allez voir. Bon, bah, en fait, on devait aller manger. C'est fermé. J'avais oublié que c'était férié aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va trouver un endroit pour manger assez propre. On va éviter le McDo, on va essayer. Et voilà, on a terminé au kebab. Donc pour moi, c'est salade grecque et kebab avec supplément viande et un peu moins de sauce aussi, je lui ai demandé. Bon appétit les gars. Et là, obligé de cavale parce que Jacopo, il a son train. Et oui. Il s'arrête faire des photos avec tout le monde. Fait la star. Non, lui, pas moi. Et je suis de retour chez moi. Il y a des petits colis. Ah là, ça fait plaisir. Ils sont tout neufs. Bon, vous les connaissez sûrement. Vous les avez vus en vidéo. Ça, c'est les débardeurs. Donc, j'en ai des tout neufs. Ça y est, le site a tout mis en ligne. Nous, c'était des prototypes qu'on avait. On avait rencontré les mecs au Fibo l'année dernière. Les mecs qui lançaient ça, c'est des mecs de Zurich. Franchement, c'est... Bah, vous voyez bien hein, le nombre de fois où je les porte dans les vidéos. C'est que c'est de la frappe. J'en ai pris deux noirs. Et deux Bordeaux, comme ça. Ils arrivent dans des boîtes, mon frère. Tu peux pas les jeter à la poubelle, celle-ci. Et il y a les suites aussi, hein. C'est la même marque. Donc j'en ai pris deux verts et deux gris. En fait, nous, on a servi un peu de cobayes. On les a portés pendant plusieurs mois. Et ils voulaient voir un peu si ça allait bouger, tout ça. Là, franchement, ça,
c'est vraiment du lourd. Bon, il fait beau, j'ai terminé de travailler là sur l'ordi, donc je vais aller faire un petit tour de quad, on va aller se faire plaisir. De Naples, ouais, voyons ouais, comme âme. Tu verras mon mésagoste, tu verras mais comme mal. Tu me connais, je veux être tout bas. Je veux que tu dises c'est trop chouka. La vie c'est comme un boulevard, faut la guider comme le routard. T'essaies, je réussis, réussis. Regarde froid comme la Russie, Russie. Le crâne est durci, durci. Je fais du sale G, du style, du style. La réussite va m'envelopper. Pas besoin de me doper. Je me couche rico, développé. La peur de l'échec, je mets de côté. Je suis invité à manger chez mon pote Nico et qui est Vieux Zding. Vous l'avez vu, il était là hier soir. Ce soir, c'est chez lui. Poulet, courgettes, merguez, pâtes, salade. Bon appétit. Nico le chétan. Voilà ce qu'il met sous les yeux exprès. À chaque fois que je viens, il y a des trucs comme ça. Ah mais c'est fait rocher 0%. Ah ouais, ça, c'est sans sucre. Je peux y aller. Ouais, sérieux. Ouais, sérieux. On va tester. Le sautesti. Olé Alex Lignaco. Sur 100 grammes de préparation, il y a 33 grammes de prot, 41 de glucides. Énervé. Eh ben, c'était de la bombe. Hein. Et petit débardeur tout neuf à Aesthetic Design. Et c'est parti, je vais à la salle. Eh ben alors, ça, c'est beau, ça. On se réveille. Sorry, sorry, mais Crenshaw, est-ce que c'est Crenshaw, s'il vous plaît? C'est Crenshaw. C'est parti, hein. Allez. Chaud? Chaud. T'es chaud? Bonjour. D'accord. Tu bois de lune, tu fais des lunes de pure, de mes de lune. Je n'ai qu'un seul gong. De UC. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal. Bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch, I'm ballin'. I made a promise to my mama. I'm a turn these zero. La dernière, ça le temps, ça le temps. Et 65, bien joué. Allez. Oh. 65, ça fait quel effet de gagner? D'être le champion? Quel effet d'être le champion? Oh putain. Ok. Ça va? Oh putain. Ça va? Attends, je vais m'allonger. Vas-y, allonge-toi. Ah là. Ah là. En syncope. Des bons étirements. Je démarre dans combien de temps? Dans combien de temps je lui nique son record? Je vomis mais je le bats. Ah putain, là si me nique, j'aurai le record le plus court de l'histoire. Des records. Oui, c'est au tour de Lolo. 12. Allez, gros, allez. 13. 66 burpees. Il en fait une de plus que moi, le bâtard. Le record le plus court, il est pour toi. 16. Allez, allez. Je commence à être dans le mal. 44. Il reste 50 secondes. Allez gros, allez, t'es à 44. Allez, 45, voilà, il est là la machine. 46. 47. Saute. 48. Et 60. Bien joué. 60. Un petit étirement. Ça va? Elle est dans le mal? Oh, il est bleu, il est. Ah ouais. Non, ça va. Putain, je me suis fait niquer par Loïc sur les burpees. Il en a fait un de plus que moi. Et là, ça fait une semaine qu'on s'était mis dans ce délire, terminé par 3 minutes de burpees à la fin de l'entraînement. Et c'est celui qui en faisait le plus. Et là, pour l'instant, bah, j'ai rebattu le record aujourd'hui. C'était 65, il a fait 66. Donc, je pense que je vais le mettre dans mon programme du mois prochain.
et on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Bon, tu nous fais le récap alors de ce bon petit repas là. Oui. Alors, quiche sans pâte, brocoli, truite, pain complet, carré frais 0%, citron, olive, soupe de radis et fromage blanc, ciboulette. Et salade asiatique, donc il y a du boulgour, du quinoa, de la salade, des tomates, des carottes, du chou rouge, des pousses de bambou, du poulet, des crevettes et une sauce vinaigrette au soja. Eh ben, heureusement que c'est toi qui as fait la description, hein, parce que là, je vais oublier les trois quarts des trucs. Voilà l'allergie. J'ai arrêté de travailler vite fait sur l'ordi et je vais me faire couper les cheveux par Loïc là. Là c'est dur l'allergie, c'est la merde. C'est vendredi soir et là je rejoins mes potes en ville. On va manger un bout dehors. Vous m'en voulez pas, j'amène pas la caméra cette fois. Je vais pas me trimballer avec la caméra en ville. Mais je vous dirai ce que j'ai mangé dans tous les cas. Alors c'est samedi matin. Je vais préparer cette fois-ci les pancakes. Donc toujours avec la même préparation. Et hier soir j'ai mangé une escalope milanaise et des légumes rôtis. Alors franchement c'était de la frappe. Et en dessert j'ai pris un fromage blanc au colis de fruits rouges. Bon, bien sûr, fromage blanc, il n'était pas 0%. Hein. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Donc, j'en ai fait de toutes sortes, de toutes tailles, avant de trouver la bonne formule. Une banane, un jus de citron, un jus d'orange. Et ça, c'est pour aller avec les crêpes, enfin, les pancakes, les pancrêpes. C'est un mix des deux. Là, j'ai 2-3 courses à aller faire en ville. Donc, je vais manger là-bas et je vous dirai ce que j'ai mangé. C'est 4 heures. C'est l'heure du goûter et je vais chez ma mère. On va préparer un gâteau pour mon anniversaire. Ouais, qu'est-ce que tu veux, je vais être obligé. Hein. Ah oui, au fait, à midi, j'ai mangé un bagel et une salade. Et c'était très bon d'ailleurs. Et c'était un bagel au thon avec des légumes, avocat, fromage frais et après une salade composée. Tu sais qu'il n'y a pas de gâteau pour toi ? Si, non. Il y a un petit lapin pour moi. Non. Au chocolat. Non. Il n'y a rien pour toi. Si. Oh là 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 là. Va ton père le dernier et jour. Et ça, c'est quoi? Bah, ça, je crois que c'est une boisson détox. Ça oui. En fait, t'as la boisson détox à côté de ta beurre fondue. Voilà, le millefeuille. T'as des nouvelles? Mon préféré. Molé. Séance terminée, j'ai fait les mollets parce que je les avais pas fait dans ma séance jambes de mercredi, j'étais parti avant la fin. Et surtout j'ai fait du cardio, donc là j'ai fait 20 minutes de cardio à 15 km/h sur le tapis. J'ai pas l'habitude de faire du cardio en salle, à part du très court et intense ou des circuits training, mais en utilisant les machines cardio, j'ai pas trop l'habitude. D'habitude je vais faire des sprints dehors ou du fractionné. Bon là je vais utiliser le tapis parce que je vais faire les mollets en même temps. C'était pas si mal. Et je vous montrerai dans un prochain vlog séance type cardio que je fais normalement. Bon bah samedi soir, je suis invité chez Raph. Après je pense qu'on va aller faire un petit tour, on va aller boire un coup dehors. Soirée entre potes classique, je vous retrouve demain. Bon bah c'est dimanche soir, ça y est, on arrive vers la fin de la vidéo. Je suis arrivé à Draguignan dans le sud, donc pour une semaine de tournage. Moi j'ai essayé vraiment de vous filmer un maximum de repas et d'entraînement. En ce qui concerne les compléments alimentaires, donc je prenais tous mes compléments cette semaine, c'est juste que j'avais pas doué. Donc là, faut que j'aille en chercher d'ailleurs. Et vous voyez que j'arrive à me faire plaisir, à avoir une vie complètement normale en ayant des résultats. Je mange assez sainement, je me fais plaisir à côté. Bon là, un peu plus que d'habitude parce que mon anniversaire que j'ai fêté deux fois. Mais sinon, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'être assidu, de s'entraîner dur, de bien manger. Après, bien sûr, c'est à vous de trouver votre équilibre. Si vous avez un objectif physique qui est loin du physique que vous avez actuellement, alors là, il va falloir mettre les bouchées doubles et se faire violence. Il n'y a pas de secret. On n'a rien sans rien. Après, si vous voulez maintenir une forme ou atteindre un objectif à moyen ou long terme, dans ce cas-là, c'est le lifestyle qui va compter. C'est ça qu'il faut vous mettre en tête, c'est la façon de vivre, la façon de manger, la façon de s'entraîner. Moi, encore une fois, je ne suis pas dans le bodybuilding, je ne suis pas dans le culturisme, je suis dans la remise en forme, fitness, lifestyle.
naturel. Après, bien sûr, je suis pas ultra sec, découpé, mais c'est pas non plus ce que je recherche. Bien sûr, la semaine prochaine, je vais faire un petit peu plus attention parce que cette semaine, j'ai fait plus d'écart. Bref, dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai essayé de faire le maximum pour vous. Dites-moi ce que vous voulez voir en plus ou en moins dans la prochaine. C'était Alex. Likez au maximum et surtout d'ici là, gardez la pêche.